C'est une pièce qui parle énormément des femmes, parce qu'on a 13 femmes au plateau qui évoquent des sujets très féminins, féministes. Elles sont venues assister au procès et elles se sont fait attraper, en fait. On les a enfermées à clé dans une pièce en leur disant, ben voilà, il va falloir déterminer là, si elle est enceinte, vous avez une heure, hop, 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 pas de feu, il fait froid, mais vous n'avez pas le droit de vous chauffer. Elles sont là depuis le matin, on est l'après-midi, elles n'ont rien mangé de la journée, on ne leur donne pas à boire. Enfin, on les met vraiment en condition pour que ça ne dure pas longtemps. Et après, elles ont toutes des raisons différentes de prendre les positions qu'elles prennent. Voilà, il y a celles qui sont là, qui trouvent ça sympa, parce que finalement, elles ont des vies tellement pourries de labeur, hein, que en fait, passer la journée là au procès, ça leur change un petit peu de leur quotidien qui est parfois difficile. Celles qui sont là pour la faire condamner, qui pensent vraiment que c'est leur devoir et que c'est bien. Celles qui pensent qu'il faut la sauver, celles qui ont pitié, celles qui l'aiment pas parce qu'elle est pauvre, celles qui, voilà, c'est très justement dit d'ailleurs dans la pièce, celles qui au contraire, on pitié d'elle justement parce qu'elle a eu une vie compliquée et que difficile. Il y a vraiment des points de vue quand même. Chaque personnage a un point de vue différent et peut changer d'avis. C'est des personnages très humains, c'est pas du tout caricatural. Donc elles ont toutes des raisons profondes en fait de penser ce qu'elles pensent. Du coup, ça devient un vrai débat. Mais de toute façon, ça se voit rien qu'en la regardant, non ? Qu'elle n'attend pas d'enfant ? Que c'est une menteuse ! Alors nous sommes désormais 8 contre 4. Mais nous devons y être toutes les 12. Comment procède-t-on ? Personne d'autre ne souhaite changer d'avis ? Pour laisser à la fille le bénéfice du doute ? Pourquoi ? On est au début de plein de choses dans cette pièce. C'est la naissance de plein de choses dont on parle aujourd'hui. Alors il y a des choses qui sont toujours présentes. Évidemment, ce n'est pas le même contexte historique. Donc on ne peut pas comparer. En revanche, toutes les questions, là on parle quand même de femmes qui n'ont vraiment aucun droit sur leur propre corps et sur leur propre vie en fait. Hein. C'est une pièce féministe mais qui ouvre vraiment le dialogue et qui pour moi ne divise pas les hommes et les femmes en tout cas. Ne tape pas d'un côté ou de l'autre. Parce que finalement ça parle aussi beaucoup des femmes entre elles. Des rapports de domination aussi entre les femmes. Et du rapport qu'elles ont elles-mêmes avec la société dans laquelle elles vivent, du positionnement qu'elles ont par rapport aux choses, celles qui remettent en question, celles qui ne veulent pas remettre en question, celles qui ne parlent que de son mari et de la réussite de son mari, celles qui n'en a pas, celles qui en a eu 3, celles qui subit des violences à la maison. C'est énormément de figures de femmes qu'on ne peut pas transposer parce que voilà, ça se passe au XVIIIe siècle, mais qui, je pense, résonne, en fait, tout simplement. Parce qu'elle a été condamnée à être pendue sur la parole d'un mari cocu. Parce que toutes les cartes qui lui ont été distribuées aujourd'hui et depuis de nombreuses années étaient mauvaises. Parce qu'elle a été condamnée par des hommes qui prétendent être sûrs de choses dont ils sont parfaitement ignorants. Et maintenant, on est assises là, à les imiter, à essayer de rendre gouvernable une chose qui n'est pas gouvernable. Je ne vous demande pas de l'aimer, je vous demande d'avoir de l'espoir pour elle. Pour qu'elle sache qu'elle en mérite de l'espoir. Et si vous ne pouvez pas le faire pour elle, pensez aux femmes qui seront dans cette pièce quand la comète reviendra. Et comme elles trouveront nos esprits rigides, comme elles auront honte qu'on nous ait accordé notre propre autorité et qu'on en ait fait exactement le même usage que ce qui se passe en bas. La pièce en anglais s'appelle The Welkin. Dans le titre anglais, il y a donc une dimension un peu voûte céleste, comme ça. Et puis il y a toute la partie, le rapport, on est au XVIIIe siècle, donc le rapport à la religion, à l'époque, quoi. Donc avec tout ce qu'il y a aussi de superstition, le rapport au diable, à la sorcellerie. On parle du diable comme si c'était quelque chose de réel, en fait. Hein. On y croit, à l'époque, on y croit vraiment, en fait. Il y a des gens qui voient le diable et puis personne ne remet ça en question. Donc il y a toute cette dimension un peu surnaturelle,
nous, aujourd'hui, hein, en 2022, qui peut nous sembler un peu comme ça, il y a des choses un peu étranges. En fait, on a une famille qui tient toute la ville, qui fait bouffer toute la ville, travailler toute la ville et qui a aussi le droit de vie ou de mort, les riches sur les pauvres. Donc là, on a quand même des gens un peu du peuple qui sont dans ce jury. Ce n'est pas des femmes qui sont de conditions très élevées, qui donc subissent comme ça en fait une oppression en tant que femmes. Et puis plus largement, les hommes aussi subissent cette oppression sociale. Et dans ces cas-là, en effet, les règles, la religion de l'époque, encore une fois, servent à beaucoup de choses, en tout cas, pour laisser les gens à l'endroit où ils sont, où ils sont censés être, où on a envie qu'ils soient. I make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, with no